tous. Pour cette nouvelle tâche hebdomadaire, nous allons allumer un feu dans un four. Alors pour cela, il nous faut une cuisinière. Nous devons tapoter sur l'interaction cuir et nous allons demander à notre Sims de cuisiner une recette dite inflammable. Et c'est en cuisinant ce type de recette que vous allez pouvoir éventuellement mettre le feu à votre four. Alors d'ailleurs, cette recette, on vous dit, hein, vous avez un petit encart où on vous dit que vous cuisinez cette recette à vos risques et périls. Vous pouvez donc réussir la recette ou la rater, et si vous ratez cette recette, eh bien justement, votre Sims peut provoquer un incendie et allumer un feu dans le four. Allez, on va regarder ces fameuses recettes qui mettent le feu à un four. Alors celle-ci, par exemple, les brownies pour 5 minutes. Celle-ci, les gaufres pour 45 minutes. Vous avez aussi celle-ci, les beignets pour 8 heures. Celle-ci, 20 heures pour le pain de banane, 12 heures pour les chocos guimauves et aussi pour se souffler, mais là, contre un point de mode de vie. Alors, vous avez bien reconnu le logo qui différencie ces recettes inflammables des autres. Donc ici, forcément, on va choisir la recette la plus courte avec le temps le plus court, donc 5 minutes, parce que je vous l'ai dit, c'est une recette que votre Sims peut rater ou pas, et si votre Sims réussit sa recette, donc là, au bout de 5 minutes, eh bien, vous n'allumerez pas le feu dans le four et il faudra recommencer. Alors, il est évident qu'il vaut mieux recommencer toutes les 5 minutes pour réussir rapidement cette tâche hebdomadaire plutôt que d'attendre toutes les 4 heures, 8 heures, 12 heures, etc. Alors, par contre, ce que je sais, c'est que cette tâche hebdomadaire est demandée très tôt dans votre jeu. Et il est probable que vous n'ayez pas encore débloqué les brownies, donc cette recette de 5 minutes. Et à ce moment-là, vous êtes obligé de la faire avec les beignets 8 heures. Donc, eh bien là, il va falloir être patient, bien entendu, remettre cette recette à cuire toutes les 8 heures et attendre que votre Sims rate sa recette. Alors, au-dessus du four, vous avez une petite bulle, vous appuyez dessus et justement, c'est là où c'est aléatoire. Soit votre Sims met le feu au four, ou soit il réussit sa recette de brownies. Donc là, en l'occurrence, vous avez eu le logo feu. Votre Sims a réussi à mettre le feu dans un four. Ça a été rapide, ça a été du premier coup, tant mieux. Donc à ce moment-là, pour valider votre tâche, il faut appuyer sur le four en flamme et éteindre le feu pour valider votre tâche. Ensuite, eh bien, 2 minutes 24 plus tard, une fois que votre Sims a terminé sa tâche, eh bien, elle se valide. Allumer un feu dans un four, c'est fait. Je vous dis à très bientôt. Merci de me suivre. Bon jeu, bon Sims.